Pour chien et les matelas durs, comme. Voilà. Et là, il dit toujours la même chose. Clarifier le temps, partir de l'évasion, je te dis une fois par jour. Pour l'évasion. Oui, il papote. Montrer. Ouais, voilà. Il papote. Donc, à 7h, l'après-midi, c'est l'heure de la douche. Et pendant la douche, vous pouvez vous faire violer. Mais moi, j'ai pas envie de me faire violer. Comment je fais? Alors, tu tires au-dessus de 14 à la roulette. Voilà. Et donc, si on a moins de 14. Ouais, on fait tomber le savon. Après, on a une chance de récupérer le savon. Encore une fois, c'est pas forcément. Après, on peut choisir de rester, mais là, la roulette est encore plus chaude. Donc, on va peut-être et pas pourquoi, prendre. Ça sert à quoi de rester en fait? Pour continuer de gagner un peu plus d'énergie. Ah oui, ça monte de l'énergie, ok. Oui, ça. Donc, non. Ah oui, j'ai oublié de présenter les menus. Il y a plein de trucs qu'il fallait présenter. Donc là, en fait, il a dormi, du coup, il a sauvegardé. C'est ça? Ouais. Et donc là, on a justement la compétence riche qui nous fait recevoir 200 d'argent par jour. Qui vient des Caraïbes. Du compte show, offshore. On compte en Suisse. On compte en Suisse, voilà, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est les Caraïbes. C'est la même chose. Donc là, tu l'as soudoyé, donc bah. Ouais, j'ai 4 appels. Sauf que là, bah, y'a quelqu'un qui vient me taper, fantôme blanc. Tu me laisses pas commenter. Eh, hey, cousin, écoute-moi. Je suis pas ton cousin. Je suis pas ton cousin, ta gueule, je vais te péter les dents. Oui. La plupart des interactions avec les autres, quand ils viennent vous tabasser, vous pouvez les persuader que vous avez. Que si vous avez 50 de explosion. On va dire de copains. Non. De copains. Non, de copains, oui, bien sûr. Enfin, social, enfin, voilà, 50 de social avec lui, d'amitié, voilà, exactement ce que je cherchais. Donc à la roulette, quoi, 50. Ouais. Là, il va tenter de nous. Donc là, c'est lui qui. Intimidé. Donc là, ouais, en fait, 8 tours à la roulette, donc il va faire un certain chiffre et toi, tu as un nombre. Il faut que je fasse autant ou plus, sinon il va me prendre l'argent et je vais pas être content. Et combien d'argent ça? Ah bah, ça, c'est. Et donc lui, il a fait 39. 39 qui est quand même un bon score. Et donc nous, la roulette, en fait. En fait. Je pense que là, ça, tout va jouer sur la chance, parce que la chance c'est entre 1 et 10. Alors que la force, vous voyez, là c'est plutôt. 2. Et voilà, et ben voilà, la chance qui a. N'a pas joué en ma, phase, en ma faveur. Du coup, il t'a pris combien? J'ai oublié de regarder. Mais le plus important là-dedans, c'est pas le fric, parce que le fric ou perdre, on a toujours un peu, vous voyez là. C'est plutôt le bonheur qui peut descendre à une vitesse phénoménale à force de vous faire extorquer. Enfin, extorquer, là c'est intimidé. Du coup, maintenant que t'as 4 appels. Et là, je viens de totalement me rater. T'as fait quoi? J'ai demandé de l'argent alors que j'étais pas de son. Fail. Fail pour commencer. Putain, bien. Il fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est. Ouais. Appelle ta copine peut-être, du coup, pour te remonter le moral. Non, y'a pas forcément besoin. C'est vraiment en cas d'extrême urgence. On va quand même se dépêcher d'ailleurs assez rapidement à la nuit. Et là. Il y avait le mec qui. Ouais, lui. C'est le seul qui a pas de gang. Il y a un autre, non? Non, non, non. Mais c'est toi qui. C'est quelqu'un d'un gang qui vient t'asseoir après toi. Non, parce que de toute façon ils seront pas deux, c'est pour ça qu'il faut tout de suite s'asseoir avec quelqu'un qui a pas de gang. D'accord. On va quand même assez rapidement se rejoindre pour la nuit. Mais si tu t'assois avec un mec qui a un gang, c'est vrai, il y a un autre mec du même gang qui va le rejoindre et du coup. Alors c'est quoi là qui se passe? Alors, oui, je voulais pas te présenter l'après-midi. Alors l'après-midi, vous avez plusieurs choses. Alors cette salle, enfin cet endroit là, bon, c'est là où il y a des personnages qui ont pas de gang et c'est pour. Et si vous devenez pote avec lui, et ben il peut vous changer de chambre en échange d'un peu d'argent. Lui, il vous permet de. Ça sert à quoi de changer de chambre? C'est pour genre s'échapper par un certain trajet. Donc lui, il permet d'augmenter le rang du gang. Ça on verra quand on aura un gang. Là, c'est le gang des mafieux pour avoir des jobs en plus des jobs de gang. Ici, c'est pour les paris. Ici, les paris mais de boxe. Ici, la télé quand vous êtes déprimé. Donc on va continuer, on va voir pour Wario du coup. Donc vous voyez en bas, vous appuyez sur le petit bouton social, apprendre compétence, et là je vais apprendre voler. Seul qu'il me faut une pièce. Et comment on obtient une pièce? En volant, évidemment j'ai pas compétence. Ou en glandant. Donc on va glander. On peut acheter aussi, non? Oui, on peut acheter. Non, j'ai pas de pièces. Ah. Tu me fais dire des bêtises. C'est une question. Oui, tu me fais dire des bêtises maintenant. On glande. Là, j'ai eu un ragot parce que quelqu'un a raconté n'importe quoi. Voyez, on peut avoir divers objets, mais ce qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est la pièce, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une pièce. Une pièce pour le petit Batman. Tiens, et c'est l'heure de la douche, évidemment. On va passer à la douche en espérant pas se faire violer. Bon, ça va, Kazar, ça c'est simple à avoir, hein. Oui.
Mais surtout la chance qui joue. L'agilité, mais aussi la chance. Et quand t'as pas de chance, c'est con. Oui, bah là, tu fais violer. Donc j'avais dit les menus. Alors les menus, on peut entraîner les compétences, pardon. Enfin, quand je vois les compétences volées, il faudrait que 10 fois, j'utilise 10 d'énergie pour pouvoir la maîtriser. Parce qu'en fait, on la maîtrise pas directement. Donc ici, c'est du coup entraîner ses compétences. La fabrication, c'est pour crafter des choses pendant la nuit. Genre là, je peux faire, comme j'ai eu un papier en glandant, fabriquer un origami, on peut fabriquer des armes, pile de diarrhée, des burgers. Ça, quoi, tu fabriques un origami? Des tas de choses. Ouais, tu verras ça plus tard si tu suis. Hein. Et donc, en fait, genre des pilules vomitives, ça sert à aller à l'infirmerie pour s'échapper. Mais par exemple, donc là, grenade tunnel. C'est pour s'échapper. Ouais. Le bouquin de cul, bah c'est si vraiment vous êtes plus du tout content, le bonheur vraiment bas. Voilà, notre argent comme d'habitude, je pense que ça va être la dernière journée qu'on fait. Ouais, parce que deux jours par épisode, on va essayer de faire, ce serait pas mal, hein. Non, bah on est déjà à la troisième. Surtout que ça va plus vite, parce que là j'ai expliqué. Mais oui, c'est bon, je laisse deux jours. Téléphone dring dring. Je fais le téléphone ou pas? il revient nous tabasser. Et vous voyez par exemple là, vous voyez là il vient nous tabasser. Sauf que quand il veut nous tabasser, il y a une chance de pouvoir pour s'évader. Il y a pas besoin d'être contact avec lui. Que là il va tirer la roulette, il va tirer la roulette 25. Et nous on va tirer au-dessus là du coup. 39 parce que si nous tabasser, ouais, on est à l'infirmerie, on était pas du tout content. Ouais, se faire tabasser c'est pas du tout bien. Pas du tout bien, faut rien dire. On continue de devenir pote avec lui. Si on a son relation, on va pouvoir lui demander un peu d'argent. 200. Ça fait baisser ta relation avec lui, non? Ouais, c'est pour ça qu'après faut refaire du social avec lui. Pourquoi tu lui as demandé de l'argent? Parce que c'est toujours bien d'avoir l'argent, au moins au début. Bah, ça te sert à quoi? Bah, pouvoir s'échapper, pour pouvoir acheter certaines choses parfois. Genre acheter une gélule de métier. Par exemple. Donc là je glande pour tenter d'avoir ma pièce pour Wario. C'est rare de trouver des pièces ou pas? Bah ça dépend quand on a la chance ou pas. Là il y a Wario à table. Mais j'ai toujours l'impression qu'ils vont nous trahir, donc je préfère même pas mettre à côté mes potes parce que je crois qu'ils peuvent quand même nous taper. C'est de battre. Oui. C'est la prison. Ouais. Donc, on va continuer de glander. Pour continuer de tenter d'obtenir la compétence volée. Qu'est-ce que c'est? Une pièce? Yes! La pièce! Ah non, c'est pas, très compliqué du coup. Ah, ça dépend. C'est beaucoup de chance quoi. Et donc là, tu vas prendre la nouvelle compétence, Daniel. Tu vas pratiquer dans ta cellule pour avoir la maîtriser et utiliser. Parce que là, on peut toujours pas l'utiliser, vous voyez. Sinon, en bas, ici, il y aurait écrit. On verrait l'item. Il y aurait écrit voler. Du coup, dans le prochain épisode, je pourrais vous expliquer comment on utilise cette compétence. C'est pas très compliqué. D'accord. On va commencer à maîtriser dès cette nuit, je pense. Pourquoi tu souffles? Ah, je sais pas. Du coup, on va faire. On a combien de temps de vidéo là? 20 minutes. Oh. On fait un pari, vous savez quoi? On va se mettre dans le match de boxe. Comme ça, vous verrez le match de boxe dans le prochain épisode. Parce que le match de boxe, ça se joue sur la force, l'agilité. Vous voyez, j'ai 8, 7, donc c'est plutôt pas mal. Et le skill combattant. Et skill combattant, bah, ça donne il me semble, un plus 9 dans le combat de boxe. Donc c'est pas négligeable. On va regarder la télé parce qu'on est pas très content en ce moment. C'est vrai que t'as pas très bien coupé de main. Du coup, t'as pas montré pendant la nuit les trucs? Si, j'ai montré, j'ai tout montré. C'est bon. Une heure avant la douche, donc on est parti pour la douche. Ah oui, c'est le gang qui a tous les gangs. Ouais. Mmh. Ouais. Moi. Donc on fait la douche. Oh, oui. Petite présentation du jeu aussi, vite fait, c'est pas un jeu gratuit, c'est ça? Ah oui, ouais, le jeu coûte 3,99€, donc 4€, mais c'est pas du tout cher. Vous demandez à vos parents, vous l'achetez, c'est rien du tout. Mm-hmm. Si vous avez de l'argent de poche, là quand t'as de l'argent de poche... PayPal. Oui, aussi, compte PayPal. Si vous gagnez à Just Money. Ou des concours, sur Twitter, il y en a pas mal. Ouais. Donc là, on voit... Je vais faire ce que je disais tout à l'heure, entraîner les compétences. On va pouvoir entraîner la compétence volée, ici présente. Donc pour ça, il nous faut au moins 6 agilités. Ce qu'on a évidemment.
Parce que, par exemple, prenons banquier, et ben on n'a pas l'intelligence requise, du coup, là, faut 30 essais, enfin 30 essais. Faut faire 30 fois, faut cliquer 30 fois, pour pouvoir la maîtriser. Là, c'est que 10 fois, du coup. Donc là, j'avais 100 d'énergie, hop, ça enlève 10. 10 ah oui, ça coûte de l'énergie. Et par contre, vous êtes totalement crevé le jour d'après. On va prendre un risque, on va la maîtriser au maximum, puis on volera un burger. Non, on va se laisser sur cette cellule. Ça a quoi de voler un hamburger? Bah ça remet de l'énergie parce que là on va pas du tout avoir d'énergie pour demain, zéro. On va rien récupérer parce qu'on va pas dormir. Et pour le bonheur aussi parce qu'en tout cas on va pas être très content. D'accord. Donc je pense qu'on va pouvoir se laisser. Bah oui. Donc merci Foodrake d'être venu pour ce premier épisode. Bah ça me fait plaisir, ça sera... Je viendrai pas souvent en fait, je viendrai juste c'est là pour commencer le premier épisode. Parce que c'est un peu compliqué de commencer un jeu et de l'expliquer. Ouais, tu penses à tout. Quand tu le connais pas quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours pas mal d'être deux dans ces situations-là. Ouais, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou vert, comme faudrait que le dise toujours. Ou un commentaire, aussi, c'est pas mal. Et un commentaire, vous abonner. C'était Y2Me. Faire un don. Enfin, bien sûr. C'était Y2Me et Foodriac. Ciao. À la prochaine.